Hop là. Salut Kinugo. Re-salut du coup Zogi. Zogi Zogi. Bah quoi le breton? C'est très bien le breton. 100% des bretons, non, m'ont dit que le breton c'était bien. Eh. Ah, ils me l'ont pas dit comme ça du coup. Madé. Madéo Herbrezonek. Salut Adpala. Non, Abdapala. C'est compliqué à dire. Abdallah, ça va être plus simple. Bon, vous allez tous les trois. Hop, on va peut-être pouvoir aller ici. Putain, il fait un peu chaud, je retirerai peut-être le pull direct. Il y a 20 minutes, il y avait la grosse averse. Maintenant, il y a le gros soleil. Il y a un PB dans ta phrase. Comment ça, un PB? Si quelqu'un par hasard a un contact pour un stage en info dev. Dans le coin de Lyon, du coup, c'est ça? Si j'ai bien compris. Non, Lyon, Grenoble. Non, c'était Lyon que tu disais, ouais. Ouais, n'hésitez pas à follow, hein. Vous êtes tous follow ici, follower. 25 février. 18 février. Ah, vous êtes tous arrivés la même semaine. Et 23, ouais, ok. 18, 23, 25 février, ok. Lyon, Paris, Marseille, même Bretagne, partout, je suis prêt à prendre un logement pour avoir mon diplôme. C'est ça le problème. Des bretonnants, j'ai dit. Des bretonnants. C'est pas pareil. Non, je suis. Oui, il y a beaucoup de bretons qui sont. Qui se moquent beaucoup de la langue bretonne, qui comprennent pas. C'est la République française qui a bien fait son travail, on va dire. Bref. La musique est peut-être un peu forte, du coup, par rapport à ma voix. En tout cas, si j'entends comme vous, c'est un tout petit peu fort, on va baisser ça. Tac, tac, tac. J'ai remarqué que je disais tout le temps tac 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 tous les 5 minutes sur mon stream. Faut que j'essaie de perdre cette petite habitude. Bon, c'est pas grave, au pire, mais. Ouais, c'est ça. Ah, je t'avoue, je vois pas non plus trop les offres en général. Je cherche pas plus, pas trop, donc. Mais si je vois un truc, oui, j'enverrai, c'est sûr. Tu dois être sur les mêmes Discord que moi, de toute façon. Sur Paris. Voilà, je suis sur Rennes, donc si je vois des trucs, c'est pas trop loin en plus. Bon, j'ai joué un peu hier. J'ai joué un peu hier. On était à 6 parties du quatrième Dan. J'avais fait 4 un peu là. Bon, j'avais fait 3 hier et une tout à l'heure là, des Blitz. Du coup, on est à 2 parties du quatrième Dan maintenant. C'est plus facile quand on n'est pas en live, on perd pas un ou deux niveaux. Mais. Donc, ouais, je pense qu'on peut aujourd'hui passer quatrième Dan Fox, ça peut être cool. Ça doit valoir à peu près premier Dan sur KGS, je pense, quatrième Dan Fox. J'ai trop les chiffres en tête. Je crois que j'ai vu ça là. Comparison. Hop. Je sais pas s'il est toujours d'actu ce truc, mais. Hop, je pense. Et du coup, ça dit Fox. FoxWK. Quatrième Dan. Deux Dan KGS. J'ai du mal à passer un Dan KGS, à repasser un Dan KGS. Mais bon. Soit. Stage en imp. Tant que c'est l'info. C'est vrai que DevWeb, IA et data en réseau. Y a quand même une préférence dans les trois, genre le développeur web plutôt, comme tu le cites en premier. Ah non, ok, les autres en perf. Ok. Je m'y connais plus en développement web, justement. Okay.
On va se trouver une petite. On va commencer par une petite blitz, je pense. J'ai tombé une préf, ouais, bah je comprends, ouais, c'est compliqué, hein, même les stagiaires. Ouais. Allez, on va trouver ça. Ah, je suis encore en formation, je suis en reconversion, moi. Je suis en reconversion en développement web, justement. Quand je dis je connais plus ça, c'est ça me parle plus quoi, tout simplement. Tac. Mais je reprends quand même les cours. Hein. Allez, on est parti. On est noir. Ok. Je me rends compte que j'ai pas mis de son pour la partie hop ici. C'est mieux. Pouf, pouf, pouf. Ouais, c'est mieux. Quand même. Je suis breton, hein, je suis radin. Oh là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, un glouplin, Magari vers le centre. Je pense pas que ce soit mauvais, même si c'est peut-être pas le meilleur coup, mais je me fais un mur quand même agréable. Est-ce que je dois continuer une fois ou prendre le coin? Quelque chose me dit que je dois continuer une fois parce qu'il n'aimerait pas l'année sur trois pierres. Oula. J'aime beaucoup la deuxième ligne. Un problème de forme direct, ouais. Ouf. Peut-être une connue. Ah, je sais pas. Bon, c'est petit ici en vrai. Non, non, on va aller là. Et de quelle manière on ferme? Gueule de tigre ou solide? Oh, les deux ont un problème de toute façon de connexion et tout. Donc, autant être solide. Alors, on pourra jouer si tu veux, mais je ne sais pas si je suis bon pédagogue. Non, mais t'inquiète, hein, de toute façon, je dis ça pour plaisanter. Bon, ça, je dois ignorer, non? Oui, c'est intéressant de venir là, mais il y a les push, tout, ça sert à rien, en fait. Cette deuxième ligne, ça lui fait un point. On va juste prendre le Sensen. Alors, ouais, les Bretons sont tellement paradins, par contre. Ouais, je sais, hein, je suis breton. Je vais pas me mettre vers le bas. Ou alors, je connais trop mal. Effectivement, ils sont ouverts, sympa. Non, mais tout est vrai dans ce que tu dis. Oh, ça me déplaît pas de prendre un Ponuki vers là. De toute façon, ce bord n'avait pas énormément de potentiel. Ça serait dur pour lui, assez long, de venir faire du potentiel. J'ai un mur. Et en plus, j'ai le coup en F18, par exemple, la descente, la montée ici en D14. Donc, je vais peut-être pas prendre le Sunshine ici. On est quand même à un beau potentiel. On va venir là. Je t'ai mis sur Discord. Okay. Ok. Il va venir derrière. Ah non, même pas. Bon, ben, on n'est pas mécontent. On va changer de musique là, c'est un peu stressant. On va mettre du. Allez. Hop. Niagara. J'espère que vous aimez ça. Est-ce que je dois mettre la pression comme ça ou lui laisser le coin et faire un gros truc? Je pense que ça va se construire tout seul en fait si je donne le coin. Enfin, si je mets la pression. Ok. Alors, je pense que je peux faire ça. Hein. Je vais essayer d'ouvrir une chaîne YouTube un jour pour partager tout ce qu'on m'a appris. Ok. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de chaînes francophones. En très bonne chaîne francophone, on a quand même Mathieu Delis aussi. On a Râleur. J'aime beaucoup sa façon de voir les logos. Et on a Isoka, bien sûr. Bon, c'est pas FR, mais c'est francophone. Moi, je parle là.
Et toujours pas vivant, on construit son bo nos modes, notre bord tranquille. Bien sûr, il y a aussi Terrapigo, qui est sympa. C'était un peu gourmand ça, non? Oui, il y a Rémi Vanille aussi, oui, pardon. Et... En plus, maintenant, je le vois un petit peu à Rennes. Pardon, pardon. Ouais, Camille qui m'avait fait une petite pub quand j'avais commencé sur Twitch. Qui avait parlé de moi sur sa chaîne. Très sympa. Et il y a moi aussi, du coup. Mais bon, moi, c'est juste les... C'est en mode bibliothèque, c'est mes retransmissions de live. Peut-être laisser vivre un peu facilement ici. De reculer ici. Il publie encore Rémi Vanier? J'ai pas regardé récemment. Il faisait un peu comme moi, non? Des parties, il commente et voilà. Je pense pas que j'ai la pédagogie pour faire des vidéos sur des Jouziki, des règles et tout. Je pense que je laisse ça à ceux qui savent faire. Hein. tac, tac. Oh, il est vivant. Hein. Bon, on va attaquer sévèrement. Il faut bien avoir un gain quand même. Mais je pense que j'aurais pu faire mieux là. Genre le double année ici, peut-être, ou je sais pas. J'ai été beaucoup trop gentil. Ok. C'est bien s'il grossit le truc. Bon, on est connecté ici, hein. Oh, connecté tout de suite, pas de bêtises. Je sais, je suis pas trop certain, mais j'avais beaucoup appris de sa chaîne. Ok. Ouais, je sais pas non plus. Bon, il va jouer là. On regardera ça tout à l'heure. Bon. Ok. Pour l'instant, c'est quasiment que des coups forçants en soi. Oui. Il regarde s'il y a un truc là. Pas grand-chose. Oula. Bon, bah, on capture. Ouais. On va reculer là, sagement. Ok. Est-ce qu'on protège comme ça? Plus solidement? On va faire solide, ça menace quand même vachement la coupe avec tout ce qu'il y a en face. Ok. Tac. Si on fait le guetta, il sort là, tac, tac. Bon, c'est un peu nul comme coup, mais je voulais pas perdre une période. J'aurais sûrement dû jouer un coup en i9 par exemple. Ouais, c'est pas fou. Ok. Il faut juste que je vérifie ça. Volant. Guetta. Issa. Ouais, non, le Guetta marche, hein, donc. On va sauter comme ça, en fait. Mettre plus de pression sur ces pierres-là.
Ouais. Ok. Bon. La question est, est-il mort Gauthier? Parce que même s'il tente de faire l'œil ici en jouant là, il y a la terre ici. Je me demande s'il n'est pas de mort Gauthier, hein, franchement. Ouais, bon, je pense qu'il est mort Gauthier. Je l'invite à me montrer l'inverse. Le contraire plutôt. Il joue puis après il lit, j'ai l'impression. Ouais. Bon après c'est une blitz, hein, mais... pense que j'ai fait une petite erreur par là en... ouais. Hop, j'ai normalement créé une nouvelle scène pour ça. Ah, c'est pas parfait. Attendez. Bon, c'est pas fou, fou, mais bon, un peu mieux. Hop. Je croyais l'avoir bien faite. C'est bizarre qu'elle soit décalée, mais bon, à peu près bon. Voilà, c'est mieux quand même de pouvoir voir les reviews. Alors, bon, ça c'était bizarre. Là, oui, clairement, il doit soit continuer, soit faire l'année, pourquoi pas, hein. La coupe ne marche pas. Voilà. À 1, partie du 5 Dan. Oui, ouais, c'est ça. Oui, à 1 du coup. Oui. Ouais. Ouais, vivant. Ah, c'est Mathieu, un gars du club, du coup, de mon club, qui disait que ouais, bah mon niveau c'est à peu près 5 Dan sur Fox. 2 Dan KGS, quoi. Je suis de QFEG moi, à la frontière du premier QFEG. J'espère l'avoir bientôt. Mon objectif dans la vie, c'est un FEG. Et on verra si on arrive à faire ça, si ce sera super déjà. Mathieu Lehir. Je sais pas si tu connais ou pas. Brestois. Enfin, un gars de Landerneau, je crois, à la base. Si je dis pas de conneries. Blue Supernova. Sur Twitch, qui vient sur le Discord de temps en temps, ou alors sur KGS, il s'appelle CGB Spender. Si ces pseudos te parlent. Ensuite, du coup, il faut revenir, ouais. Il faut appuyer sur stop à chaque fois, ouais. Donc il y a ça. On va surtout regarder. Bon, là, y a rien de choquant. Tac, 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 tac. Ces invasions sont particulières quand même. Bon, sont pas très bonnes, je pense. Là, c'est la jalousie. En vrai, je sais pas si je dois faire le double année ou pas. Le laisser vivre, c'est peut-être pas mauvais de faire un mur et attaquer comme j'ai fait ce truc. Non, ça te dit rien. Bon, il y a beaucoup de Mathieu, hein, en même temps. Il y a beaucoup de Mathieu. Est-ce que ici, je dois pas faire ça? Et en même temps... pas beaucoup. Je lui donne la force... Non, je suis pas très fan. Peut-être que j'ai bien fait, hein. Ouais, je vois rien de choquant en fait. Et attaquer. Mais peut-être que j'attaque mal par contre. Peut-être un peu plus loin, je sais pas. C'est dur à dire. C'est vrai. C'est
C'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, tous ceux que j'ai vus, ouais, je pense à trois Mathieu là qui sont tous Dan FFG, ouais. Voilà, il est deux Dan FFG, lui. Celui dont je parle. Mathieu Delizotti est 4 Dan FFG, je crois. Ouais, c'est. Je vais changer de prénom. Ouais, sa défense, par contre, elle laisse à désirer. Ou alors, c'est si. Au pire. Qu'est-ce qu'il peut faire? L'utiliser pour du combat et s'il sacrifie ça, ben il fait quelque chose par là. Je sais pas. J'aime pas la position de blanc, de toute façon. C'est même pas des pierres de coupe, c'est vraiment des pierres un peu poubelles en fait. En fait, l'invasion est bizarre. De toute façon, cette invasion est bizarre en fait. Je sais pas s'il veut construire quelque chose qui vienne là. Là, j'imagine. Mais il a pas le chichot de ce côté, à cause de ce mur super solide. De toute façon, tous ces coups qui sont un peu lents, là, R16, P18, ah, même en fait Q18, je crois. Mathieu Dagenais. Ouais. C'est. Après, il y a aussi est-ce qu'il... ceux qui ont un T et deux T. Je crois qu'il a qu'un T d'Elisotti. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Non, tac. Qu'est-ce qu'il y avait d'important dans la partie? Ici, c'était bizarre, hein, sa séquence. Je sais pas ce qu'il aurait pu faire de mieux, mais. C'est déjà mort, en fait, non. Non, y a rien, de toute façon, y a rien de spécial. On va regarder ici localement. J'avais lu que le guetta marchait. Ouais, c'est cool. Ma lecture est pas si pourrie que ça. Sauf quand c'est des chichos, Mathieu dirait. Bon, ici, c'est bizarre encore. Et là, je crois qu'il est morgoté. Je vois pas ce qu'il peut faire. Parce que s'il joue. Non, c'est à moi de jouer, pardon. Hop. Même s'il joue là, ben, on a ça. Tac, tac. Ça marche toujours ou pas? Mince, pardon. Oui, ça marche toujours. Ok. Non, le chichot, j'ai même pas lu. Je t'avoue, je lis Guetta avant chichot. Enfin, j'essaye maintenant parce que j'ai vu l'erreur de il y a quelques semaines là. T'étais pas encore là, je crois. Abdallah. 13 au lieu de 14 à la séquence. Attends. Merde, je vais y revenir. Ah, on a perdu le truc. Non, on n'a pas perdu. Non, on... si. Je vais un peu trop vite. Alors, il y avait ça. Non, c'est pas ce moment-là. Ouais, on va dire là, peu importe. Tac, 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 tac. Ouais, ça fonctionne pas pareil le guetta. Ah, tu parlais de la séquence ici, pardon. Du coup, la séquence ici. Donc ici, s'il essaye de vivre, j'avais fait quoi? Ça, ça, ça. Non. Ah si. Tac, tac. Bref, je sais plus de quelle séquence c'était. Pardon. Je vais un peu trop vite. Bref, il n'y avait pas grand-chose, de toute façon, c'est fini. Bref, hop, on va retourner là. Je ferme cette page. On va là. Et on va lancer une autre petite blitz. Pourquoi pas? Hop, ça a trouvé direct, nickel. Et je suis blanc. Ok. Mais noir était bien dans tous les cas. Juste le guetta, fallait le prendre différemment. Ok. Ok. Oh, il a 10 000 parties en face. Oh, j'en ai 60, 70.
Ah, ok. Je pensais pas qu'il pousserait de ce côté. Je connais pas ça. Du coup, j'imagine que si je fais ça, il fait ça et... Oh, ça va, j'ai le droit de réfléchir 2 secondes. C'est chiant. Bah, du coup, ça compte pas comme une victoire. Bref, ça, si je fais... Bon, on va regarder ça. Si je fais ça, il a le droit de faire ça, du coup, maintenant, il fait ça, c'est ça? Bah non, mais en même temps, il a le droit de faire ça. Si je joue là tout de suite, il a le droit de faire ça. Du coup, ça sert à quoi ce coup? C'est pour capturer direct? Capture du coup, ok. Et là, c'est chiant parce qu'il se retrouve avec plusieurs points compliqués. En fait, soit il veut faire la forme là, mais il y a la coupe ou non, pas la coupe. Peut-être ça. Ça semble plus joli. Ça semble plus joli. Ouais, ça semble mieux 8. Et en même temps, s'il protège, on va dire en solide ici, bah, c'est chiant parce qu'il y aura toujours des pipes par là. Il y aura des invasions par ici, je m'en fous qu'ils viennent là parce que c'est vivant, ouais, c'est vivant. C'est très bizarre, ouais. Ok, du coup je prends direct. Logique. Et tu vois là, j'aurais pu me faire avoir par exemple. Ok, et je fais ça. Ok. Et du coup, ça serait une erreur de ma part de venir direct là. J'imagine, il fait un truc comme ça et... Ça se joue? Peut-être comme ça. Est-ce que ça, c'est un Joseki ou un truc genre? Ça semble bizarre. J'ai l'impression de m'écraser quand même pas mal. Peut-être que le coup en B18 est un peu obligatoire. Ouais, ça semble quand même pas mal. Ouais, ok. Donc autant coin pour centre, voilà. Il connecte et on va là. Et... J'imagine qu'il fait un truc comme ça et on fait ça. J'imagine. Sans pas déconnant. Ouais. Ok. Merci pour les tips. Ouais, ça me dit quelque chose en fait, ouais. Après, je sais pas, il approche, voilà, je sais rien. Hop. Alors, mais c'est bizarre par rapport à son Fuseki chinois, je trouve. Enfin, c'est pas de la direction. Peut-être que je me trompe, mais... C'est dur maintenant de relier ces pierres. Même rien avec ça, je pense que ça coupe. Ou ça, on va dire. Bref. Hop. Ça n'a pas compté. Donc, encore à une partie. Du 4 Dan. Hop. Et je suis noir. On va jouer Oshi cette fois-ci. Hop, ok. Double Oshi, allez. Pareil en face, ok. Bon, on va tester ça. Ok. Je mets peut-être tous mes paniers un peu trop dans le... Waouh! Bon, on va couper cette Ogema. Bon, ça va donner un truc bizarre. Et continue là, je vais là. Oh, l'enfoiré, je me fais avoir. Je me fais avoir. Ouais, c'est étudié. Quoi? Ah bah oui, ça marche toujours. Oh, chier. C'était préparé son truc. Ah là 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 là.
Aïe. Alors soit c'était très bien préparé, soit il est bien plus fort que moi. Oula. On va le couper, hein. Enfin, c'est gros quand même. En fait, c'est la partie est quand même très compromise, on va dire. C'est une sacrée erreur qu'on a faite au début. L'Ogema m'a surpris et j'ai pas pris le temps de réfléchir, c'est bête. Ouais, en fait c'est gros hein. Je vois pas ce que je peux faire pour. Bah là c'est trop gros en fait. Ah. Il faut avoir tellement facilement. Changer un peu de musique. Hop. Désolé, je coupe au milieu, je change un peu. Hop. Allez, Alphaville. Pour les amateurs. Et bien passé cette pierre, c'est cool. Bon. Par contre, on aura donné la force de ce côté, donc je sais pas si ça vaut le coup ou pas, mais. Et on donne le santé aussi. Il me reste un peu, ouais. Bon, on va essayer de pas de mourir. Bonsoir Nuo, comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. On a fait une petite victoire au début. Et là, on a un début de partie très compliqué, mais on va voir ce que ça peut donner par la suite. Mais ça va, ça va. C'est lamentable que ça me laisse ma troisième période encore. Ok. Bon, on prend le coin. Ok, on fait encore ça. Ok. Est-ce que j'ai le droit de monter comme ça du coup? C'est pas beau. Peut-être que j'aurais dû monter tout simplement en deux-bis, je sais pas. Ok. Forcer dans un chichot sans le couper, je suis pas sûr. Par contre, on peut venir ici pour écraser un peu.
Ici, on pourra peut-être passer par là, je sais pas. Il monte. Bon, bah, on connecte. Il connecte et on va faire le Magari, je pense. Ça semble quand même correct. Ça menace, ouais, ça menace ça. Donc il peut pas le laisser. Est-ce que c'est bon vraiment de faire ce coup? Parce que ça lui donne un couvert là et c'est aussi santé pour lui. Mais en même temps, la gueule de loup ici, ça ferait chier. Gueule de tigre. C'est gueule de tigre ou gueule de loup? Selon les bouquins que je lis, ça dit différemment. Recule comme ça. Peut-être comme ça. Tigre? Ok. Parce que je lisais. J'ai commencé à lire le bouquin de Tsumego de Motoki et il dit gueule de loup dedans. J'étais un peu surpris. Pas très beau tout ce que je fais, je trouve. On va connecter nos groupes. Ils sont pas très frais tous les deux. Un truc comme ça. Ça menace le L14. Ok, il a pas envie. Va faire ça. K8, il fait atterrir l'attaque, il monte et c'est la galère. Donc on recule ici. Non. Non, ça va, ça va. Si je fais atterrir ici, c'est pas mal, non? Je peux pas couper direct. Et moi, je me prends cette petite pierre quand même. Ça semble correct. Enfin, ça donne un Ponyoki, mais bon. Ouais, c'est quand même gros ça. Bon. C'est chaud. Le temps de compter, mais j'ai l'impression qu'il a beaucoup. Ça, c'est immense. C'est compliqué. Parce que j'ai pas de porte d'entrée vraiment. Ok, donc ces pierres, il les veut. C'est intéressant. C'est une bonne info. Je remarque que sur serveur, par contre, ils aiment pas beaucoup sacrifier des pierres. Donc c'est utile pour le combat. Du coup, il aura pas envie de fermer son truc. Il va vouloir sauver ça. Ah si. Il faut savoir du coup. Il va là. Moi, je vais compliquer la situation. Ça ne me dérange pas. J'ai combien de périodes encore? Deux. Tac, tac, tac. On vient là. Ok, il connecte. On monte.
Ah, il a le temps de faire ça, c'est un peu débile. J'aurais dû faire cet Atari sûrement. Là, il va jouer H11. Ah non. Bon bah, je vais jouer H11. Ici, on a eu un œil là, un œil là. Et on a cette séquence au pire. Tac, tac, tac. Bah, je sais pas si ça marche bien ou pas. Mais... Ok. Faut que je tente des trucs à l'intérieur. Je suis peut-être un peu gourmand là. Ouais, je suis carrément gourmand. Ouais, parce que là, la coupe, tac, tac, tac. On va se garantir ça quand même. C'est important. Et s'il tourne, bah on vient là. Et on aura bien réduit quand même déjà. Peut même descendre ici, je me demande. Tac, tac. Ouais. Juste compliquer la situation. Toujours, toujours. Est-ce que j'ai droit? Noir, blanc. Noir. J'ai l'impression qu'il y a des trucs à faire. Ah, c'est pas dit. C'est pas dit. En fait, cela. Ah, je sais pas. C'est compliqué à dire. Sauf s'il fait ça. Je pense pas que j'ai besoin du coup. Tac, tac, tac. On a trois libertés chacun. Donc je dois faire ça. Tac. Compliqué à dire. J'ai l'impression que je suis passé à côté de quelque chose. Non, bah non, il pousse là. Je viens ici, il connecte. Et quoi, il connecte tout de suite? Ok. Bah, attends, c'est intéressant pour moi, non? Ouais, c'est compliqué, hein. Je fais n'importe quoi, j'ai l'impression. Ouais. Il y a un truc avec ces trois pierres, non? Le petit Adji. Il aurait dû capturer direct, peut-être. Ouais, si, sûrement. Parce que là, maintenant, il y a ça. Et maintenant que je joue ici, s'il vient là, j'ai trois libertés de ce côté. Je fais Atari. Complète. Je viens là. Pouf, pouf. Atari, tac, il doit connecter. Mais moi, je peux prendre ses pierres.
Ouais. Ou alors on vient ici tout de suite. On doit aller là. Ouais, mais en fait, il prend les pierres. Non, c'est pas fou. Salut, Luminora. Comment ça va? Luminona. C'est un R? Non, c'est un N, ouais. Non, en fait, c'est pas fou ce que j'ai fait. Bon, ça sauve ses pierres, ça réduit. C'est dur à dire le résultat. Si, c'est bien, sûrement. Tu viens de capturer 20 pierres et tu dis c'est pas ouf. Bah non, regarde, ça, je suis mort. Oh, j'ai même pas regardé de ce côté. Et ça, je suis débile. J'étais trop focus sur ça. La vache. Oh là là. Ouais, si, là, si, quand je gagne la partie, c'est les 4 dents, je suis pas sûr qu'ils soient mérités. Oh là là. Tac. Ouais, ça fait rien, non? On s'en fout. Parce que même s'il pousse là, il pourra pas pousser une autre fois. Ouais, je raconte n'importe quoi. J'étais trop focus sur ça. J'ai même pas fait gaffe qu'il s'était suicidé ici. Ouais. Fait, s'il pousse encore une fois, Atari, tac. Même si je connecte là et qu'il se dit, oh, je coupe. La coupe ici a l'air de bien marcher. Tac, tac. C'est ce qu'il pense, que ça passe bien, là, ça coupe, mais. Je suis pas trop d'accord. Je coupe ici. Même s'il vient là, je capture, je fais en premier. Et 6 pouces, tac. Ok. S'il prend 2 pierres, c'est pas grave. Est-ce que c'était un peu l'overplay ce que j'ai fait là ou non? C'est seulement qu'il y avait plein de petits groupes donc je sais pas. On va faire ça, c'est pas très beau. Ouh, c'est moche. Mais ça me permet de tourner ici. Faudra que je fasse attention en liberté là, même si elle la marche pour le moment. Tente des trucs. Faut pas lui en vouloir pour ça. Ok, s'il vient là, bon moi je viens là. Attention à tous les petits coups qu'il y a. Et on est 4 Dan. Ouh. Tu n'en avais pas besoin, le plus gros était J3 à ce moment-là. Ok. Avant que je vienne là du coup. J3. J3, ok, en haut. C'était si gros que ça? Mince, il faut mettre game. Ok. Tac. Tac. Voilà. C'était ça le plus gros? À ce moment-là? Ah, elle marche déjà la coupe, ouais, je suis con. Je la lis une fois qu'il a fait cette séquence, mais pas avant, ouais, je suis con. Bah oui, je suis débile. Et là. Bon après c'est Blitz, on va utiliser cette excuse mais bon. Mince. Après il fait plusieurs petits groupes mais bon. Au début je me suis fait avoir du coup, c'est ça surtout que je vais regarder. Ici je me fais avoir. C'est particulier. Alors je me dis je sépare. Il fait ça. Je coupe. En fait je suis resté sur les trucs élémentaires mais... Attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois aller là?
Peut-être. Résister, quoi. Il joue peut-être un coup, je sais pas, c'est compliqué, mais peut-être que ça peut pas être pire que ce que j'ai fait. Parce que là, j'étais là et. Bah, je peux plus rien faire en fait. Je peux faire ça, mais c'est dégueulasse quoi. Mais en soi, pourquoi pas, je sais pas. Je sais pas s'il capture les trois. S'il sauve les trois pierres d'ailleurs. Il joue peut-être ailleurs en fait. Je sais pas. Pas convaincu. Peut-être même menacer de couper. Non. Ah, peut-être pas, non. Bref. Ouais, c'était compliqué son truc, je le connais pas. Est-ce qu'il y a d'autres réponses que j'aurais pu faire? Ça semble intuitif en fait, ça. C'est. Ah, ça semble bizarre ça. Et si je sors. Après, je peux venir là et il s'installe ni dans. Ou alors, non, je peux faire ça peut-être. Et contre-pince. Par exemple. Moi, ouais, c'est pas déconnant. En vrai. Je saute et voilà, etc. Faudra faire attention un jour au P12, mais voilà quoi. Ouais, sûrement un truc comme ça en fait, tout simplement. Mais c'est peut-être trop pris la tête. Revenir à ce qu'on connaît. Ok. Ok, bonne fin de journée du coup, Abdallah. Abdallah. À la prochaine. Ici, je crois qu'on doit, il doit continuer comme ça et. Truc du genre. Et là, je joue ailleurs. Et ça me laisse plus tard ce coup-là. Quand je veux dans la partie. Et là, j'irai peut-être vers là. Pour la zone, le bloc qu'il y a tout ici, là, noir. Hop. Plus tard, est-ce qu'il y a eu des trucs bizarres? Non, ça a l'air d'aller. Enfin, c'est du combat, quoi. C'est du combat aussi. Ici, il me disait du coup d'aller là et de couper. C'est vrai qu'on est bien. Hein, on est bien, je pense, en cache. Mais j'ai été gourmand. Ouais, bizarre. Et si est-ce que ça marche pas ça? Je vais là, mais il protège ici. Ça marche pas? Parce que si je fais ça marche pas pour moi. Si je fais ça, j'ai 3 libertés et lui 3, donc ça marche pas. Si je viens ici, ça marche toujours pas. Toujours pas. Ouais, c'est. Je loupe quelque chose ici? Pourquoi il a pas joué 1 du coup? Là, il doit reculer comme ça. Je fais ça, il doit reculer comme ça. Il n'y a rien de spécial en fait. J'essaie vraiment de trouver là. Qu'est-ce qu'il aurait pu. Qu'est-ce que Noir peut faire ici? Non, toujours pas. Il n'y a rien qui marche en fait. En allant là. Ouais, ça marche toujours pas. Ah, c'est une erreur là de ma part.
Donc comment je peux me rattraper à partir d'ici? Peut-être que je dois jouer là. Ou alors, quand je fais ça, il fait ça, je joue un coup. Peut-être que j'aurais dû faire ça du coup. Ouais. Je sais pas. Bon, j'ai joué là. Il vient ici. Et aussi tous les séquences avec ça. Qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est compliqué, hein. J'ai trop de double atterri. Ouais. Spécial, il fait ça. J'essaie vraiment de voir pourquoi est-ce qu'il a eu peur ici. S'il me pousse comme ça, bon, y a rien. Non, bon, y a rien. Y a rien, y a rien. J'aurais dû perdre, je pense. Donc ici, ça c'est une erreur de continuer par là. Je dois profiter de ça pour faire ça. S'il fait ça, c'est compliqué pour lui en vrai. Il y a beaucoup de petits groupes. Donc il serait sûrement pas permis. Il descend ou capture. Et moi je connecte et. On va dire je fais une réduction quoi, c'est pas moindre. Bref. Hop, tac. Alors. Hop. Et on va mettre un peu plus de temps pour la suivante quand même. Et voilà. 5 minutes. Et on affronte un 4 Dan. On va voir ce que ça donne. Ça va être plus compliqué, forcément. La musique est toujours un peu forte. Hop. On va venir jusqu'ici. Ok. On va... venir en hauteur, comme ça. Ok, est-ce qu'on pince? Ça donne envie avec le bloc qu'il y aurait ici. Genre une petite ou la grande. Non, on va reculer. On va reculer solide. Ok. Ensuite, soit on vient jusqu'ici, soit on vient prendre le coin, soit on approche de ce côté également. On va jouer un peu avec le coin et sur son groupe qui n'est pas encore tout à fait formé. Ok. Je pensais qu'il formerait comme ça, en faisant un touquet par exemple, ou n'importe quoi. Du coup, comme il a joué en 4 émis ici, on va plutôt écraser comme ça. Il y a un jeu d'influence quand même, donc il faut rester dans le game. Et ouais, on va
soit comme ça. C'était pour prendre le synthé aussi, le F4. Soit on joue au 4, c'est un beau coup de forme, je pense. Ça joue bien avec la pierre en L3. Soit on la joue un peu gourmand en L5, et c'est vraiment l'invitation pour qu'il vienne, quoi. C'est sûrement plus raisonnable, ça travaille même bien avec cette pierre et tout. Allez, c'est gros. Ok, il décide de prendre le dernier, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on donne de la valeur à notre moyau, soit on vient. Ça donne envie de venir quand même. Comme il a fait un Nogema, on va venir là, je pense. Ok, je pensais qu'il voudrait développer ce bord avec son Kozumi, très solide. Il aime bien les coins, je peux comprendre. Reculer solide. Ok. Et du coup, on vient là. Base de vie. Et là, il viendra jusqu'ici, je pense, K17. D'abord, il veut venir là. Ok. On va pousser vers la force. Donc, on pousse par ici. Ça va consolider un peu notre pierre quand il pousse. Si on a une pierre ici, ça sera plus facile de faire des jolies formes. Je suis content que ce soit lui qui vienne en premier pour du combat. C'est plus agréable pour moi. Bon, bah là, je pense que je suis pas mécontent, hein. Il joue léger. C'est joli à voir. Alors, soit je passe au-dessous et je me fais un petit peu de points, mais c'est pas fou. Soit je me dis, il faut séparer, du coup, je. Oh, qu'est-ce que je pourrais faire ici? Soit le Nobi en dur, le coup le plus sévère, en O11. Soit le coup d'un peu de forme, parce qu'il pourra faire plus de P13 plus tard. Même si je monte là, il aura ce coup à un moment et ça me déforme un peu. Ah, ça a l'air agréable quand même de venir ici. On se dit que ce groupe n'aura plus de problème en fait. Ouais, du coup, il s'en forçait de faire ça, ok. Toujours ça de possible. Il reste le grand bord. Enfin, un bord où il y a un peu de potentiel, donc C9 est intéressant. Il reste aussi l'attaque de ce groupe qui est intéressante. Et si je devais mettre un groupe instable, c'est celui-ci. Donc, le J17 semble petit, mais c'est pas si mal non plus. Parce que si lui-même le joue direct, on sent la pression sur ses pierres. Donc les trois, un des trois. Donc soit C9, soit J17, soit. Je sais pas, soit retirer la base de vie en R8, soit jouer K5, ou alors faire un Boshi, une sorte de Boshi, en N8. D'ailleurs, j'ai pas mis les coordonnées, non. Je pense que le plus sage, c'est de jouer les groupes instables. Ici, j'ai deux points Mi-Hi en fait. J'ai le B3 ou un C9 par exemple. Allez, groupe faible d'abord. Et il vient à l'autre. C'est logique. C'est logique. Du coup, maintenant, je pense qu'il faut descendre ici. Parce que s'il commence par exemple à monter là et qu'il a ça, ce groupe deviendra faible. On va descendre là, c'est la base de vie, c'est bien. Il va peut-être mettre de la pression en B2. Oui, si, ok. Ça marche ça? Enfin, j'imagine, de toute façon, s'il le joue aussi rapidement. On joue en B7. Il va en B5, je connecte, il coupe, Atari, tac. Ok, mais peut-être qu'il ferait ça, et je prends la pierre et il va au-dessus, et il se crée un joli truc. J'ai quand même envie d'avoir la pierre. Je pense qu'il va jouer un G7, ouais.
Ah, je pensais qu'il ferait d'abord là, que je joue ici, qu'après et après il descend. Bon, tant mieux pour moi. Pas fan de son coup. Il a un groupe instable à côté. C'est pas. En créer un deuxième. Je sais pas. Et la coupe marche pas en fait. Ça, c'est lui donner une trop belle forme. Normalement, c'est du 4-2 qu'on joue. Plutôt qu'un hobby. Mais là, ça lui donnerait une très belle forme. On va plutôt jouer ça. C'est tentant de couper plutôt. Oh, couper. Il y a ça, c'est quand même très attaquable. C'est la prio. Je regardais si je devais pas d'abord jouer des coups comme J2, il vient là, je pousse, tac, il y a pas mal de problèmes. Ok, il me coupe lui-même. On va prendre les pierres, hein. On prend notre récompense. Et surtout, on connecte. J'ai pas envie qu'il y ait un combat à semaille parce qu'on voit que blanc est fort sur l'extérieur. Donc on va pas faire l'idiot. Ça marche pas ce qu'il fait. Ok, il veut l'extérieur du coup. Qu'est-ce que je dois jouer maintenant? Ici, il est un peu loin. Il y aura peut-être quelque chose à exploiter. Enfin, quand je vois par là, c'est séparé. Hein. Après, voilà, il faut voir ce qu'on fait avec notre pierre. Mais bon. Y a ça qui est gros. Il y a une zone ici qui se construit. Sûrement pousser une fois déjà. Coucou, belle fin d'après-midi. Regardez, c'est parti. Salut Auréade. Merci en tout cas. Voilà, je les aime bien. Les parties aujourd'hui sont agréables. J'aime bien aussi. Et on coupe. Tac, tac. Ouais, on coupe. On a le droit. J'espère que t'as passé une bonne journée en tout cas. Qui faisait... ouais, ici, ça a été compliqué. Hein. C'est que des averses, puis du beau temps, puis des averses. Très incertain. J'espère que ça ira en terrasse ce soir. Je vais changer de style. J'ai rien contre Belinda, hein, mais... Atari, on répond. Le but c'est de maintenir ça faible et construire des choses ou au moins enlever ses potentiels à lui. La règle du push-push. On continue. Je suis bien content s'il ne peut pas construire de trucs sur le centre parce que je pense que j'ai plus de points en cash. Et on tourne. Tournant vers le centre. Enfin, même s'il est très proche hein, le centre, mais. La pousse ici. Tac, tac, il va là. Je capture. On pourrait connecter. Mais je pense que c'est plus intéressant d'attaquer. On va attaquer. Blanc, noir, blanc, noir, blanc capture, noir referme ici, et blanc. Ouais, c'est compliqué, hein.
C'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur timing pour créer un coup. Est-ce que j'ai des menaces? Non. Donc c'est mauvais. Ce que j'ai fait était mauvais. Ok. Ok. C'est pas bon. Parce que maintenant j'ai des pierres isolées. Et pas rien à attaquer. Message reçu. Heureusement qu'on y vivant à peu près partout. Y a que ça à regarder. Mais ouais, la séquence est mauvaise du coup. Je l'ai fait un peu par automatisme de... Ah, je connais cette forme, ça fait ça. Mais sans réfléchir à la conséquence. Ouais, ça c'est gros. Mais du coup, maintenant que j'ai une pierre ici, ça c'est gros aussi. Je me dis, créer un combat maintenant où il y a une pierre d'aide ici. La pierre en C13 est un cran trop loin. Maintenant, c'est moins facile aussi d'attaquer ça à cause du fait que ça soit vivant. J'aurais dû... Non, ouais, à la place de la séquence-ci, j'aurais dû pousser ça vers le centre et essayer de dire, t'as deux choses faibles. J'ai mal joué le coup. Non, il a ça, c'est moche. Ça marche pas très bien ce que je suis en train de faire, encore une fois. Ouais, il a juste E12, c'est tout. Ok, bon, où ça? Bizarre. Rezogi. Et du coup là il veut ça. Tac, tac, tac. Je viens là. Il veut là. Eh bien... Des bonnes choses pour l'instant. Des bonnes choses. On a deux victoires. Ouais, deux victoires. Et du coup on est passé quatrième dan. Et là c'est la première partie en tant que quatrième dan. Elle est là plutôt. Est-ce que j'ai le droit de forcer? Tac, tac, Atari, il fait ça, tac, donc non. Il faut qu'il aille en C15. Ce serait une erreur d'aller en F15. Ah merci, c'est gentil. Bon, il fait une jolie forme, mais moi je vis aussi aisément. C'est cool. Attention, il y a des coupes, monsieur. Attention, je peux mourir aussi. Donc la coupe, il s'en débarrasse de ses pierres et... Oh, je sais pas, c'est kiff-kiff. On va couper. C'est kiff-kiff hein, si je prends ça, mais qui prend ça? Ça se calcule, hein? On essaie d'être un peu, de demander un peu plus. C'est un peu ça, oui, les coups des fois. Aller vers là, c'est bien. Bah, je me construis quand même. Attends, mais c'était chez blanc, ça. Et là, maintenant, tout ça, c'est à noir. Est-ce que je risque quelque chose? Non, ça a l'air d'aller. S'il sort ici, je pousse. Tac. Je pousse. J'ai deux libertés. Non. S'il sort ici, pousse une fois. Et on va là. Il sort, on sort. Ok, faut sûrement... Elle est là. Yeah. Ce massacre. Ouais, c'est le bordel. Ok, bon là on va aller là. Il a un beau centre quand même, hein.
pas forcément gagnant dans l'histoire. On va réduire le maximum possible, quoi. Réduire un peu de tous les côtés. Il y a des petites faiblesses avec les coupes ici, donc il doit faire attention avec ce coup. On va couper là. Hop. C'est pas grave pour lui, je pense. Oula, je suis pas certain par contre là. Atari. Tac. On monte. Et comment il sort? S'il fait Atari là, je vais là. Ah, il y a des trucs à faire, il y a des trucs à faire, c'est marrant. Je me demande, hein. Peut-être que je me... pourquoi pas non, mais j'ai l'impression que là, il y a des trucs marrants. Peut pas sortir facilement. Hein. Parce que là, je vais ici. Et du coup, il peut pas aller là. Donc, il est obligé de capturer. Mais dans ce cas, si je fais ça derrière, je prends ces 4 pierres et je suis rentré dans le truc. Il y avait quelque chose, hein, avec ces pierres. C'est bien de pas toucher des fois et d'attendre. C'est bien d'attendre, d'être patient. Il faut pas forcer sur les pierres. Joli, quel nul, c'est pas sympa ça. Ouais, c'est une question de forme à chaque fois. Il a l'atterri ici sinon. Mais s'il fait atterri ici, je peux monter une fois. Et du coup, il doit continuer. Je prends la pierre et là, il doit se relier ici parce qu'il ne peut toujours pas aller là. Et je capture ici, donc ça sauverait au moins ses pierres. C'est ce qu'il choisit. Ouais, il fallait sacrifier les trois pierres tout simplement. Et du coup, là, j'ai le droit d'aller là. Quel nul ton. Arrête. S'il joue là, il n'y a pas le droit d'aller là. S'il capture là, on vient ici. Il peut pas compléter. Donc, on a le droit d'aller là. Non, oh, il est gentil. Hein. Je vais pas dire. J'ai failli faire une bêtise ce jeu-là. Bon, on va prendre la pierre et après on réfléchit. Ah non, 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 non. Enfin, je suis pas non plus bon, mais. J'ai juste vu plusieurs groupes. J'ai été dedans. Oula, là on va faire gaffe. Même s'il y a un co, mais bon, on va peut-être pas. Ok, ok. Kibilit, ça veut dire quoi ça? Déjà? J'ai oublié. On va répondre. C'est combien de parties pour passer au 14? On a le temps avant de passer 5 dan. Et encore, il faudrait gagner 14 parties, c'est pas dit non plus. Aussi mieux, on va redescendre rapidement. Troisième dan. Il veut gagner une petite liberté. Kibilit, c'est pas quand le chat donne des coups. Là, je sais pas, ouais, justement. Je peux descendre là. Capture. Ok, ça change rien, non? Ça ne change rien. On va pas faire l'idiot, on va descendre comme ça. Radio Gaga. Ce groupe, est-ce qu'il risque quelque chose? À venir là. Il y a un problème de forme ici aussi. Et après, je pourrais peut-être. Si
Cela dit, moi aussi, un petit problème de forme ici. Tac, tac. Il peut descendre. Il aurait 4 libertés et moi 3. Alors, je confonds avec le terme pour dire trash talk. Ah, je sais pas, du coup. Piquant pour bâcher le jeu. Ok. Ah, je sais pas. Ma forme est pas belle non plus. Hein. On a deux, tous les deux des formes dégueulasses. C'est tentant, hein. Moi, je fais là, mais j'aurai encore 3 libertés derrière. C'est moi qui aurai le santé. Là, il y en a 3. Et il y aura des trucs avec ça. Donc, j'ai le droit. Trash talk, ok. J'apprends des choses. On vient là. On vient ici. On descend là. Et on prend les pierres. Ok. Ça marche pas du tout ce que je suis en train de faire. Eh, j'ai fait le con là. Oups. Oups, oups, oups. Bon bah j'ai fait l'idiot, j'ai perdu tout ça. Ah, j'aurais pas dû discuter. Ah, c'est clairement un suicide. Attends, s'il fait ça, je viens là, tac, 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 tac. Non, ça marche pas. Ça ne marche pas. Ah, je suis con. Ah, c'est stupide de ma part. Aïe, aïe, aïe. Où est-ce que je suis foiré? C'est ici, j'aurais dû... Ouais, j'aurais dû pousser... Là, j'ai poussé vers là, alors que j'aurais dû pousser vers mon truc fort. Je suis con. J'ai fait l'idiot. Aïe, 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 aïe. On vous menace de capturer toutes ces pierres. On vient ici. Et on peut monter ici. Ouais, mais maintenant que j'ai sous la séquence ici, c'est compliqué. Chiant, chiant, chiant. Non, on peut aller là en fait. Ça met Atari, je suis con. On peut aller là, ça met Atari ici, on peut aller là et prendre les pierres. Je suis con. Je regarde pas jusqu'au bout la séquence. Non, je suis pas sauvé, hein. Je prends ces pierres-là. Mais celles-là sont toujours mortes. S'il joue là... Non, il a deux yeux. Il a deux yeux, en fait, donc... Ouais. On va prendre ce qu'on peut prendre, c'est déjà bien. Hein. On va pas se plaindre. On va jouer jusque là direct. Je joue là. Atari. Je réponds. Il joue là. Je stop. Ça va.
plein de petites faiblesses, j'ai l'impression. Ah, il y a plein de petits trucs. Ah, la connexion ici, il y a la descente là, il y a plein, il y a tellement de petites choses en fait. Non, ça marche pas. Ça marche pas, j'ai cru. Il faut qu'il descende en... Ok, bon, il descend pas. Mais ça marche pas quand même. Ah, mais je suis con, attention à la tare ici, je vais lui redonner les pierres. Ah, ça marche vraiment pas en fait, ouais, je suis débile. Je suis débile. Ouais, attention, je fais le con. Aïe, 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 aïe. Ok. Ouais, clairement, oui. Clairement. Je sais pas quoi jouer. Ah, y'a. Ah, c'est pas mal. Ah, il se prépare le C4 ici aussi. Comme ça, il aura toute cette petite séquence. Ouais. Ouais, bon. Alors, qu'est-ce qu'il essaie de me faire ici? Une entourloupe. Ah, il y a ça à récolter, tiens. Hop. Et on peut venir là. Et du coup, maintenant, il a ça. Bah non, il aurait dû être là. Ok, il a pas vu trop les séquences. Il y avait des trucs ici à faire, je crois. Qu'est-ce qu'on peut faire? T'as un singe. De quoi tu parles? Pop, 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 pop. Faut que je fasse attention à ça. Je parle codé. Ok. Codé du coup. Ouais, oui. Ouais, il y a le petit glissade ici. Il y a ça aussi. Tac. Non, il y a ça qui menace de connecter ici et l'autre côté. Oula, bon, c'est un peu nul, mais je dois jouer, sinon j'ai perdu pas le temps. Ça serait dommage après toute cette partie. Ouais, là ça marche pas pour le moment, l'Atari. Donc c'est un peu gâté, ouais. Bon, il aura ça, hein, mais bon. Ça me laisse une pierre ici, ce qui est si gros que ça, c'est bizarre. Bon. Pop, 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 pop.
l'impression que c'est intéressant comme coup. Comme tous les autres. Ouais. Ouais, c'est pas fou ce que je fais, parce que je vais peut-être me... Si je meurs ici, ça sert à rien. Tac. Il fait atterrir là. Donc je vais plutôt là. Mais là, il va là. Bon, c'est pas fou ce que j'ai fait. En plus, là, j'ai affaibli mon groupe. Oh non, mais ça marche pas en plus. Oh là là. Bon, bref, est-ce qu'il peut me tuer? Il y a une forme en 6 un peu chiante, mais je crois que c'est vivant. Maïs, toi, comment t'es monté à ton niveau actuel, catching? Ça fait plus de 10... Ça fait un moment que je joue. Tout simplement. C'est surtout ça, ouais, en fait, ça fait longtemps que je joue et du coup, c'est à l'expérience, on va dire, mais bon. Ça fait... Je joue depuis 2010. Donc j'ai pas un niveau si haut par rapport à la durée de jeu. J'ai eu pas mal d'années de trous souvent. J'aime pas ça que cette belle langue, oui. Je suis Forever 5Q. Ouais, voilà, bon, je pense que j'irai pas plus haut que mon niveau actuel non plus. Au bout d'un moment, ça coince. Ouais, moi non plus, j'arrive pas à comprendre des choses supplémentaires là ces temps-ci. C'est un peu frustrant. C'est nul. C'est nul ce que j'ai fait parce qu'il y a ça et c'est goté. J'aurais dû capturer la pierre là peut-être. Mais c'est goté aussi, mais. C'est cool, il me laisse retirer plus de points que prévu. Toi t'es presque done, je m'en contente très bien. Ouais, bah, en fait ce qu'il y a c'est qu'on on veut tous plus haut à chaque fois, ouais, c'est ça. Ah on va vrai. Quoi? Ok, non j'ai cru qu'il y avait un co qui voulait jouer en co. Bon c'est gros quand même. C'est quand même gros. Ah c'est ça la partie. Ou l'erreur. J'ai failli me tuer. Oh, ça c'est un demi-point. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est goûté. Pas grand-chose, hein. Oula. Je joue avec le feu quand même. Hein. Sur KGS, j'aurais déjà perdu par le temps. Si je te bats, tu es des... Tu es ES. Tu es DDK. Ouais. T'es quel niveau Ah, je crois que t'as avec qui t'as demandé tout à l'heure. Tac tac tac. Des dégâts. Ok. On va bientôt compter les libertés ici, hein. Si je monte là. Ah bah non, il joue là. Je suis bête. J'ai rien dit. Avec toutes ces pierres, il a que deux yeux, zut. Bon, après, il y a ça qui meurt, donc un peu plus maintenant. Il joue là.
Si je connecte là, il irait là, mais il y a ça. Non, il n'y a pas. Il doit être niveau de scroll. Tac, tac, tac. Ah, je sais pas quoi jouer. Bon, c'est ridicule, hein, mais. Oh non. Donc il y a un demi-point ici. C'est un peu le bordel, hein. Ça c'est coûté, on a dit, ça c'est un demi-point de sauvé. Il y a ça, hein, en soi. On pourrait faire 2 points ici, donc là il en fait pas. Pas quoi jouer. On est à la fin. Là, il n'y a que des damés. Enfin, il y aura un point que je devrais retirer. En vrai. Ici, je vais perdre un point, mais c'est inévitable. Ici, je vais en perdre deux, c'est inévitable. Il en perdra un, lui. Il faudra qu'il rajoute un coup parce que les petits trucs. Bon là par contre non. DQFFG avec dernier tournoi en octobre dernier. Et 7K sur GS. Ok, d'accord. Il fait des arnaques, Crow. Je pense que je vais gagner par rapport au prisonnier. Il a ça, effectivement, mais là j'en ai 13 de plus que lui. Ici, là, on voit. Ça doit passer. Hein. Même niveau territoire, j'ai l'impression que ça va quand même. J'ai des trucs convenables. Tac, tac. Je sais pas compter, mais visuellement. Je cherche que je fasse ça comme ça. On joue là. Il a plus qu'une période lui aussi. Hein. Ouais, il a bon oeil, ok. Bon, cool. Il est combien? Ah oui, 30 points d'avance quand même. Bon, tant mieux. Première victoire en tant que Kaden. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Hop, il nous en manque 13 pour passer niveau suivant. Ok. Ouais. Bon, je vais m'arrêter là, je pense. Je vais m'arrêter là sur cette belle musique. Hop. Pas ce que j'avais mis comme truc, mais. Hop. On va couper ça. On va couper ça. Se couper plutôt sur ce genre de musique. Qui est très sympa aussi. Du coup, je vous dis à. On est quel jour? On est jeudi. Je vous dis à lundi prochain du coup. Et il n'y a pas eu de follow, donc pas de merci pour les follow. Bah, je vous dis, ouais, bah, Zogi Oread. Je vous dis à lundi si vous êtes dans le coin. Pareil pour Nuo, ouais. Bonne soirée en tout cas. Je vais aller profiter un peu du soleil, je pense. Là, ça revient un peu. Ouais, plus. Plus. À jeudi du coup, les lundis c'est club. Ok. Ouais, de toute façon là je vais décaler bientôt aussi je disais le stream du lundi, parce qu'il y a le club de Rennes aussi qui se réunit le lundi soir, donc je pense que je vais essayer d'y traîner. Donc je vais regarder quel jeu toujours refaire à la place. On verra. On verra, on verra. Il faudrait pas que je fasse en tant que Crow par exemple, ce serait bête. C'est quoi le résultat en fait? Je gagne 2,30. 31,5 je crois en tout cas. Enfin, il a abandonné, mais voilà quoi. Ouais. Bon allez. Hop. Ouf. Ça fait de la route, Brest-Rennes, un peu. Non, non, pour aller au club de Rennes. Là, j'habite à Rennes, moi.
Je rentrais à Brest, soit pour voir la famille, soit pour faire le premier tour du championnat de France, des trucs genre, parce que je suis un gros chauvin et du coup j'ai fait à Brest, c'est tout. Puis bon, après à Rennes, ils sont assez nombreux pour faire assez de qualifiés, tout ça. Nous à Brest, on était 10 participants, du coup ben, ça a fait qu'il y avait deux qualifiés en plus de qualifiés d'office, quoi. Allez, je vous dis bonne soirée et à la prochaine. Salut!